And a step off the ladder. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Uranus est la septième planète du système solaire, de par sa distance au Soleil. Tout comme Neptune, elle est nommée géante de glace. Ça ne veut pas dire qu'elle est composée uniquement de glace d'eau, en fait, ici le mot glace réfère au fait de ses composants volatiles, tels que l'ammoniac, de l'eau, du méthane. Tout comme Jupiter et Saturne, Uranus est composé d'une grande partie d'hydrogène et d'hélium. Mais la différence avec nos deux géantes gazeuses est qu'on trouve aussi dans l'atmosphère d'Uranus une quantité significative de ces composés volatiles, surtout du méthane. La couleur bleutée d'Uranus est justement due à cette composition plutôt forte en méthane dans la haute atmosphère. Uranus et Neptune sont donc plutôt similaires, et on approfondira les caractéristiques de Neptune dans le 9e épisode de la série L'Odyssée stellaire. Uranus se trouve à une distance de 19,13 unités astronomiques du Soleil en moyenne, un petit 2869 milliards de kilomètres. Cela veut dire que par conséquent, elle se trouve 19 fois plus éloignée du Soleil que ne l'est la Terre, et qu'elle tourne autour du Soleil en 84 ans. Son orbite est légèrement excentrique, ce qui fait qu'elle possède un point plus proche de 18 unités astronomiques et un point plus éloigné du Soleil, soit 20 unités astronomiques. Elle est de plus en résonance 1 pour 7 avec Jupiter. Cela veut dire qu'à chaque fois qu'Uranus effectue un tour autour du Soleil, Jupiter en fait 7. La planète tourne sur elle-même en 17 heures et 14 minutes, avec des vents dans la haute atmosphère qui atteignent les 900 km/h. Elle a la particularité d'être inclinée, à un peu plus de 90 degrés sur son axe orbital. Cela fait d'Uranus la seule planète du système solaire à rouler sur son orbite, d'où son surnom de planète couchée. Les astronomes pensent que l'état d'Uranus est la conséquence d'une collision violente qui s'est produite quelque temps après sa formation, ce qui a également accéléré sa rotation autour de son axe avec un tour complet réalisé quand même en 17 heures.
Uranus, la planète penchée, doit son inclinaison de 98 degrés à un terrible choc subi il y a 4 milliards d'années. Percutant son pôle nord à 20 km/s, une protoplanète de glace d'une masse deux fois supérieure à celle de la Terre n'aurait mis qu'une trentaine d'heures à coucher littéralement la géante sur son orbite. Puis, elle aurait été totalement déchiquetée et assimilée par Uranus, formant une couche de glace entre son manteau et sa profonde atmosphère. Une couche isolante qui, depuis lors, empêche la matière chaude du cœur de remonter à la surface. Ce qui résout du même coup un autre de ses mystères. Pourquoi alors que traînent encore derrière elle Neptune et Pluton, elle a l'atmosphère le plus froid du système solaire, soit moins 216 degrés Celsius. Le fer, initialement contenu dans le cœur de l'impacteur, pourrait aussi contribuer à expliquer la forme bizarroïde du champ magnétique de cette planète. Mais, pour le confirmer, il faudra encore améliorer la résolution des simulations. C'est ce à quoi vont se consacrer les chercheurs, qui souhaitent encore vérifier si la matière restée en orbite après le choc pourrait s'être condensée pour donner naissance aux 27 satellites d'Uranus, comme on pense que cela s'est produit pour la Terre et la Lune. Cette inclinaison fait que ces pôles nord et sud font face au Soleil à tour de rôle pendant chacun 42 ans. Et en ce qui concerne ces dimensions, Uranus a un diamètre 4 fois supérieur à celui de la Terre et une masse 14,5 fois supérieure. Sa densité est faible, à l'instar de toutes les planètes extérieures du système solaire. Une autre similitude avec les autres planètes géantes est qu'Uranus possède un système d'anneaux. Ces anneaux seraient notamment des restes de la collision dont je viens de vous parler. Bien que les anneaux de Saturne soient les plus visibles et les plus complexes, les anneaux d'Uranus sont principalement composés de corps assez larges, entre 20 cm et 20 mètres de diamètre, et ne réfléchissent que peu de la lumière. En raison de l'inclinaison de la planète, les anneaux font donc face au Soleil. À ce jour, on a découvert 27 satellites naturels autour d'Uranus, dont 5 sont larges et sphériques. Les noms de toutes ces lunes sont tirés des œuvres de Shakespeare. Uranus a été découverte en 1781 par William Herschel. En effet, Uranus est trop éloigné de la Terre pour pouvoir être observé à l'œil nu. Il a donc fallu attendre le développement de télescopes assez performants pour pouvoir l'observer, et non une lunette comme avec Galilée. En fait, Uranus avait déjà été observé avant la découverte de Herschel, mais la planète avait été confondue avec une étoile. C'est donc Herschel qui a remarqué en augmentant l'amplification de son télescope qu'Uranus doublait de taille à chaque fois que le zoom était deux fois plus important. Alors que les étoiles, elles, ne changent pas de taille dû à leur distance bien plus importante. En tout premier lieu, il pensait alors en 1781 avoir découvert une comète et il reconnaîtra qu'Uranus est bel et bien une planète deux ans plus tard, en 1782. Suite à cette découverte, on n'a pas appris grand chose sur la planète pendant près de deux siècles à cause de la distance et donc de la difficulté à observer sa surface. C'est pour les mêmes raisons qu'il a été compliqué de définir ce qu'elle était vraiment. C'est en 1977 seulement que les anneaux sont découverts. Nous n'avons que très peu exploré cette planète lointaine. La seule sonde l'ayant observée de près est la sonde Voyager 2, qui survola la planète le 24 janvier 1986. C'est cet unique passage à proximité de la planète qui nous a fourni les relevés de la composition d'Uranus. Elle examina de plus près les anneaux et nous fournit des images de ses satellites les plus larges. Nous ne connaissions à l'époque l'existence que de 5 satellites, et Voyager 2 nous a permis d'en découvrir plus. Elle possède donc 27 satellites connus. La NASA et l'Agence spatiale européenne étudient quelques concepts pour de futures missions vers Uranus et Neptune, mais on ne peut pas s'attendre à avoir une sonde en orbite avant les années 2040. Contrairement aux idées reçues, la trajectoire de la sonde New Horizon, dont la destination était la planète naine Pluton, située à 35 unités astronomiques de la Terre, n'est pas passée par Uranus et Neptune. C'est donc à défaut de connaissances et de recherches établies que je peux vous proposer pour le moment de laisser place à votre imagination quant au mystère que nous réserve cette somptueuse planète.